bonjour et bienvenue dans le troisième épisode des Découvertes. Bon, alors, on a découvert Anima Gate of Memory, Evoland, et bah maintenant on va découvrir Evoland 2, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? De ce que j'ai lu, ce n'est pas du tout la suite de Evoland, c'est bah, un nouveau jeu, en fait. Donc c'est parti, tout de suite, on commence avec avec l'aventure. Bonjour, G. Nous allons commencer votre séance d'entraînement physique quotidienne. Ah ouais. Ah bah ouais, le rétroéclairage vert, comme la Game Boy. Lorsque vous entendrez l'avertissement, déplacez-vous vers la droite. Ah ouais d'accord, je n'ai pas jusqu'au bout. Félicitations G, poursuivons nos exercices. Lorsque vous entendez l'avertissement, déplacez-vous vers la gauche. Pas logique. Bravo G. À présent, regardez autour de vous, en haut, en bas. En haut, en bas. Excellent. Vous devriez désormais avoir l'envie irrésistible de quitter cette pièce. Bah non, j'ai pas envie, tiens, je reste là. Non, je déconne. Parfait, G. C'est très bien. Vous savez désormais que le monde ne se limite pas à cette seule pièce. Regardez au-delà. Ouais. Excellent, G. Comme vous pouvez le voir, des buissons bloquent votre passage. Vous devriez être pris d'une envie folle de les couper avec l'épée que nous vous avons fournie. Ouais, sauf que c'est... Ok, donc c'est nage. Félicitations. Vous êtes tout à fait satisfait d'avoir découpé ces buissons. Pour vous récompenser, nous allons diffuser une douce musique. Ah ouais. Ah bah oui, c'est du 8 bits. Hein. Bien. Vous appréciez cette musique. Ouais, vu que c'est un ordre. Poursuivez votre chemin, G. Eh, pourquoi vous avez coupé? Nous allons maintenant faire un test de combat. Vous allez affronter... Ok, d'accord. Désolé, erreur de manipulation. Bref, combattez. On passe. Ok, d'accord, on va pas se faire tuer. Là, il y a mon ordi qui vient de me faire chier. On a pris des dégâts. Voilà, encore mon ordi qui vient me faire chier parce que j'appuie trop de fois sur mage. Voilà. Voilà. Bravo, G. Vous êtes satisfait de votre combat. On peut avoir la douce musique. Alors, c'est donc lui. Il a passé tous les tests haut la main. Oui, il sera parfait pour la tâche que nous allons lui confier. Ok, sauver le monde. J'espère que vous ne vous trompez pas. Une seule erreur, et cela pourrait bien être la fin du temps. Ne vous en faites pas, professeur. Nous avons tout vérifié. Tout se passera comme prévu. Bien. Nous allons donc pouvoir activer la machine. Faites les préparatifs. Ah, cette machine a voyagé dans le temps, ce coup-là? Oui, professeur. Ok, d'accord. Bon, fond noir. Bon, je sais pas ce qui se passe. Grosse explosion. Douce musique. Ah oui, il y a bien longtemps, la civilisation magie avait découvert de grands secrets. Là, il y a une vraie histoire, par contre. Mais elle disparut brusquement de façon inexpliquée, débutant ainsi une nouvelle ère. Les graphismes sont quand même plus jolis que le 8 bits. En l'an 950, les humains et les démons s'affrontèrent dans une guerre sans pitié. L'empire humain sortit victorieux au prix de lourdes pertes des deux côtés. Ne dis pas qu'il faudra le rebattre. L'anniversaire des 50 ans de la victoire approche et la ville de Genova se prépare à le célébrer. Qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer? Mais ces années de peine n'ont peut-être été qu'une illusion.
Ah ouais, on a des graphismes plus évolués quand même. On est plus en noir et blanc. On est plus en noir et blanc, on est en couleur. Oh, tu es réveillé. Tu te sens mieux? Mon père t'a trouvé au fond de la forêt évanouie. Tu ne te souviens de rien, même pas de ton nom? Peut-être que tu devrais faire un tour en forêt, ça t'aidera à recouvrer la mémoire. Ok, retrouver en fait. Au fait, je me suis pas présenté. Je m'appelle Wafina, ça va très bien. J'espère que tu vas vite te souvenir de tout. Ah bah c'est du 8 bits. Hein. S'endort. Y a pas des coffres ce coup-là? Finrost, tu es le jeune homme que j'ai trouvé dans la forêt, n'est-ce pas? Fina s'est fait du souci pour toi. N'oublie pas de la remercier quand tu auras l'occasion. Si tu souhaites te rendre dans la forêt, suis le chemin qui passe par le pont et va vers le nord. Mais il vaut mieux te procurer une arme avant de partir. Ah, le puits? Au fond du puits, vous apercevez les restes d'un aventurier, mais qui serait assez bête pour descendre dans le puits. Bah, moi, dans le premier épisode des Volandes. La découverte des volants. Fermier. Normalement, à cette heure-ci, je me promène en forêt, mais de nombreux monstres sont apparus récemment. D'ailleurs, c'était juste après que Finrost t'a ramené. Je suppose qu'ils ont dû t'attaquer. Oui, peut-être. J'ai appris que des pirates s'étaient installés sur l'île maudite. Pour l'instant, ils ne sont pris qu'aux bateaux de marchandes serrés. Mais on raconte que leur chef serait un géant avec une énorme moustache. Moi j'aime bien les moustaches. Cuir. Ah, faut pas entrer, bon. Aller par là. Quelqu'un aurait-il une arme pour moi? Vous avez déjà entendu parler des Sylves? Ce sont des êtres étranges qui vivent hors du temps. On raconte qu'une Sylve habitait ici il y a longtemps. Je me demande ce qu'elle est devenue. Ah, c'est peut-être un voyage à travers le temps qu'on a fait. Le dojo. Cette porte est fermée. Wouah! Il n'y a rien, je présume. Ouais, on peut pas aller. Ok, d'accord. Bah, on peut peut-être passer. Non, on peut pas passer. Bon. On descend, hein. La guerre contre les démons s'est terminée il y a 50 ans par la victoire de l'Empire. La paix règne désormais, mais on ne sait jamais. Mieux vaut garder la forme en courant. Si tu t'arrêtes... Porte fermée encore? Ouais, je me doute. Bon. Ok, tu peux passer à travers les PNJ. Très drôle. Bon, on va passer par là. Ah, tu vas me donner l'épée, toi. Qu'est-ce qu'on s'ennuie dans... J'aurais bien aimé vivre à l'époque de l'Empereur Lothair. Qui sait, j'aurais peut-être... J'aurais pu être général dans son armée et la victoire et vaincre les démons. Non, ça doit être le shop. Cette auberge a été bâtie peu après la fondation du village par le grand-père de Fina. Accueillit tous les voyageurs souhaitant se reposer. Enfin, tout sauf les démons, bien sûr. Pas question que l'un d'entre eux mette les pieds chez moi. Mais vous savez, peut-être que j'en suis là, hein, déguisé. Oui, l'épée. Allez. Donne-moi l'arme. Bienvenue à la boutique. Trouve tout. Vous trouverez ce dont vous avez besoin ici. Sauf que pour l'instant, je n'ai rien à vendre. La route menant à la capitale de l'Empire a été bloquée par un éboulement. Il faudra sûrement attendre encore plusieurs jours avant sa réouverture. Oui, je sais. Encore un éboulement. Cela devient presque une habitude. Vous cherchez une arme pour vous rendre dans la forêt? Il y a peut-être une dans la vieille maison au nord-est du village. Mais elle est abandonnée depuis que... Je préfère ne pas en parler pour le moment. Essayez de trouver le vieux Paul. C'est lui qui a la clé. Attention, il n'est pas du genre commode, surtout quand l'on dérange en train de pêcher. Donc Paul, ça doit être le pêcheur. Non, c'est pas toi, Paul. Il est là. Oh, Paul. Quelle belle journée pour pêcher tranquille loin des gêneurs. Enfin, plus ou moins loin. Quoi, la clé de la vieille maison? Hein, peut-être que je l'ai. Ou pas, faut voir. Que dirais-tu de me rendre un petit service en échange? Bah, si je dis non, tu vas pas vouloir, donc on va dire oui.
J'ai comme qui dirait un problème de poisson et je n'arrive pas à résoudre. Peut-être qu'un jeune garde comme toi pourrait m'aider. Numéro 1, les cannes à pêche. Mes cannes à pêche se sont emmêlées, je ne sais plus laquelle va où. À chaque embranchement, il faut suivre le fil qui part à gauche ou à droite. Quelle canne me permettra d'attraper ce poisson? La 4, mon cher. Ah, du Layton. Et oui, parce que celui-là est composé de plein de mini-jeux. À la place de Evoland, où faut ramasser les coffres pour... Enfin, à la place du premier Evoland, où faut ramasser les coffres pour améliorer le niveau, là, il faut juste réaliser des mini-jeux. Voilà. Tenez les clés de la vieille maison. Donc forcément, dans le jeu, on va retrouver des scènes de jeux cultes qu'on connaît tous. Ah, donc là, c'était Professeur Layton pour la première. Le reste. Parle pas aux enfants, ça sert à rien. Attention, il y a des monstres, c'est devenu très dangereux. En tirant, fais donc un tour en magasin, ils auront peut-être une vente. La vieille maison, elle est où? Nord-est, c'est par là. Elle est là. Ouais, c'est vieux. Ah, c'était le dojo, peut-être. Je pense que c'était le dojo. Non, par contre, je marche pas très vite. Ouais, c'est ça. Un coffre. Celui coffre tombe en miettes. Ok, donc il n'y a absolument rien. L'horloge, il n'y a absolument rien. Je vais prendre un pot pour me défendre. Il n'y a pas une épée? Ah bah voilà un coffre. Comme dans Zelda, l'épée. Pas des monstres. Couillon. Bah oui, si c'est moi qui me trompe de touche, c'est beaucoup plus dur. Il y avait rien tout à l'heure en fait, si je me rappelle bien. Oh, encore mon PC qui bug. Bon bah voilà, on a trouvé l'épée, on va aller combattre un ou deux monstres dans la forêt. Voir si ça avance dans l'histoire. Et finalement, j'aimerais bien savoir qui c'est quand même. Enfin bon. Tiens, regarde, regarde. Coucou, t'as vu, j'ai mon épée. Allez, on va essayer de retrouver la mémoire. Ah oui, donc les grandes vues du dessus. On est par là. Toute la map à explorer. Toi, 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 toi. Ouais, on a tué. On va prendre des dégâts. Il y a la barre d'XP qui se remplit par mesure des combats. Chouette, un cœur, mais je suis fou de vie. Ah, il y a un petit problème, non? Si, bien. Ok. Pignon, aïe. Fais mal, toi. Si tu veux, je suis bien. Ah, ouais, de la vie. Alors. Fina, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Pousse-toi, Fina. Pousse-toi, Fina, que je te mette pas un coup d'épée. Ouais, on a sauvé la princesse! D'habitude, je me déroule très bien, tout seul. Mais il se trouve que je déteste les champignons. En tout cas, merci pour ton aide. Tu ne te souviens toujours pas de ton nom? Si je t'en choisissais un. Ça un nom temporaire, bien sûr. Le temps que tu retrouves la mémoire. Ouais, voir, tu pourrais t'appeler... Ah, mon Gwen.
Allez, à te faire plaisir. Est-ce que je peux rajouter de l'aide? Non. Ah, c'est pas grave, on va l'appeler Kuro. Hein. Comme mon cher Gwen, Iwoka. Kuro, ça sera très bien. Kuro, c'est un très joli nom. Alors Kuro, que dirais-tu que je t'aide à atteindre le fond de la forêt, là où mon père t'a découvert? Il se trouve que j'ai un petit pouvoir qui pourrait bien te servir. Et pour tout te dire, je compte y aller pour apprendre pourquoi tous ces monstres sont apparus récemment. Alors, on y va ensemble? Si je dis non, tu vas pleurer et tu vas me forcer à te dire oui, donc je vais dire oui. Tout de suite, tu n'as rejoint l'équipe. Ouais, j'ai dévoilé un nouvel ami. On va jusqu'au fond de la forêt. Ah bah c'est par là. Tiens, regarde. Maintenant qu'on va faire équipe, par exemple, c'est une ronce là-bas. Tu pourras pas les couper seul pour dégager le passage. Par contre, avec mon aide, en te concentrant, tu devrais pouvoir y arriver. Essaie de te concentrer, je viendrai t'aider. Comment faire pour... Pas mal. Tu vois, heureusement que j'étais là. Bon, par contre, c'est fatigant tout ça. Une fois que tu as fait appel à moi, je dois me reposer avant de pouvoir recommencer. Mais n'hésite pas pour autant, je suis content de pouvoir t'aider, Kuro. Ok, donc c'est une charge. Point de sauvegarde, oui. Ils sont quand même moins nombreux que dans le premier volant. On a de la vie dans celui-là. Allez, les monstres. Oh, des curies. Crève, saloperie. Encore le jeu qui bug. Ah oui, bah va loin. Ouais, on va vers le fond de la forêt. Allez, il va y avoir un boss. On est arrivé. C'est ici que mon père t'a trouvé. Il paraît que c'est devant les trucs qu'on a vu. Il y a des démons dans la clairière. Qu'est-ce qu'ils font là? Cachons-nous, ils ont l'air dangereux. Oh, vous êtes super bien cachés. Oh, vous êtes super bien cachés. Alors, c'est ça, Thierry? Tu es certaine que c'est bien Magliti? Magilit, les documents du professeur Giro décrivent très précisément. Si nous activons ce Magilit, nous pourrons en extraire beaucoup d'énergie magie. C'est bien Magilit. J'avais déjà vu un il y a longtemps, mais il était brisé. Nous avons impérativement besoin de l'énergie de ce Magilit. Si j'en crois les archives du professeur Giro, l'énergie du gardien qui habite cette forêt devrait être suffisante pour l'activer. Le gardien dort depuis longtemps. Il doit être très affaibli. Nous devrions avoir aucun mal à le vaincre. J'aurai bientôt ma revanche sur ces maudits humains. Préparez-vous à invoquer le gardien. Kuro, c'est terrible. S'il réveille le gardien de la forêt, il risque de s'attaquer à mon village. Il faut qu'on intervienne. Je crois qu'on devrait les empêcher. Je ne sais pas si on devait les aider, Fiona. Mais en tout cas, le troisième épisode des découvertes est fini sur Evoland 2. Donc bah écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner, à laisser un commentaire dans la vidéo, afin de m'améliorer pour les prochains épisodes des découvertes. Sur ce, bah j'espère que ça vous aura plu, et puis bah, tchuss tout le monde, à la prochaine !